Début avril 2024, la salle de conférence du centre Dose Plus accueille les heureux membres et sympathisants du Fiat Calavi qui célèbrent une nouvelle fois leur rencontre mensuelle sous la direction du coach Peggy Torello, docteur en économie rurale, en ce jour très spécial, le lundi de Pâques. Nous voici à la première rencontre, j'allais dire, qui est toujours dans l'octave pascale. Et je peux vous assurer que cette rencontre va être une rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle à tout point de vue, mais surtout exceptionnelle en termes de transformation pour chacun d'entre nous. Sous la houlette de l'ambassadeur Bénédicte Tagnan Kadja, contrôleur des travaux BTP et du coach Yayi Afouda, entrepreneur, hommage est rendu à la nation béninoise et à l'association Fiat Monde. Je m'engage à aider chacun de mes amis. Prêts pour une nouvelle séance d'apprentissage, les élus présents reçoivent les chaleureux décrets de bienvenue du coach Maurice Corpé, opérateur économique. Soyez les bienvenus à cette soirée de reconnaissance envers Dieu. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec des bonnes personnes. Pour une transformation totale de notre vie. Mettez-vous à l'aise comme des reines et rois que vous êtes, soyez attentifs au message de Dieu, car il veille à sa parole. Dans l'intervention du professeur de mathématiques et coach Mohamed Aboubakari, les bienfaits de l'association Fiat Monde pour ses membres sont mis en avant. Je continue de suivre les formations et je vous assure, ma relation avec mes enfants me donne la joie de vivre. Et je peux dire que j'ai les meilleurs enfants du monde. Mon leadership est reconnu dans mon entourage et au service. Je suis souvent envoyé à l'étranger dans différents pays pour apporter des appuis. Ce qui a donc fait ce miracle, ce changement de paradigme, c'est ce que le coach Patrick Amapoyon m'a donné, ces phrases que j'ai eu à répéter plusieurs fois. La rubrique des enseignements démarre avec la première exhortation du coach Augustin Adjélé, cadre de banque, qu'il intitule « Le détachement ». Nous devions apprendre à faire confiance à Dieu. Même si vous pensez que vous êtes fini, Dieu n'a pas sifflé la fin du match. Ça va arriver. Dieu est le maître des temps. Ça va arriver. Et pour chacun de nous, quel que soit ce que nous voulons faire, si nous sommes sincères avec Dieu, comprenons qu'il est là, il est à côté, il va agir lorsque le moment viendra. Cette exhortation est suivie de la seconde du coach Pascaline Legba, conseillère pédagogique et porte sur nos relations avec les autres. Nous disons souvent que les hommes sont ingrats, méchants, mauvais. C'est certainement vrai. Mais si dans nos relations avec les autres, nous adoptons continuellement à leur égard une attitude critique, ils ne manifesteront plus envers nous leur bon côté, tandis que si nous montrons que nous les estimons, que nous croyons en eux, nous avons la chance de les toucher et ils essayeront à leur tour de ne pas nous décevoir. Chers amis de la gagne, appliquons les outils du coaching pour une vie meilleure. Le chemin de la gratitude, thème de ce mois et le point central de cette rencontre, est soigneusement illustré par le coach Ariel Gomez, juriste. Qui pratique la gratitude n'a pas le choix que d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent et tous les bons. La garantie de tous les bons est le salaire de la gratitude. Il faut comprendre que dire merci à nos organes nous garantit la bonne santé. Dire merci à nos enfants, leur répéter qu'on les aime, qu'on a confiance en eux, qu'on est fier d'eux, garantit leur plein épanouissement. Il faut dire merci à Dieu pour toute situation, pour cette idée d'entreprise qui ne prend pas encore, car Dieu connaît le bon moment. Disons merci à Dieu. Merci pour tout.
merci pour rien, afin de garantir notre bonheur. À travers le message d'appel aux dons livré par le coach Nativité Djimandé, administrateur des hôpitaux, chaque participant envoie un message fort à Dieu. Chers généreux donateurs, je nous invite à prendre de l'autre et à tester les enseignements. La générosité est une force et non une faiblesse. La générosité, c'est une force qui brille dans l'obscurité. Donner, c'est la meilleure façon de chouchouter notre cerveau. Toujours dans cette dynamique, l'assistance répète intensément les paroles transformatrices, ceci sous la direction du coach Rachel Aipé, entrepreneur. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu, car ma assistance, ma soutien et mon soutien. Pour cette belle occasion, les participants savourent le cocktail servi. Coaching TV recueille l'avis de quelques participants. Je venais de dire que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je suis aussi ambassadeur de développement. Je suis fière de le dire. Et j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin avec le FIAD et je crois que je suis sur le bon chemin. Pour ce soir, je vous assure que tous les enseignements, les orateurs qui sont passés, m'ont appris encore beaucoup de choses. Ce soir, il faut dire que le message du jour, le chemin de la gratitude, vraiment, j'ai retenu des trucs poignants dans ce message qui fait que vraiment, à ma sortie d'ici, je vais améliorer la façon dont j'entretiens mes relations avec mes enfants, avec mon entourage, avec ma famille et avec les autres. Cette belle rencontre mensuelle s'achève par des émotions positives, notamment des sourires et des témoignages de gratitude partagés entre les participants.